Allez, salut tout le monde, ici Play4You, let's go, c'est parti, on attaque deuxième épisode de mon let's play sur The Forest. Vous l'avez vu, un premier épisode assez captivant, assez intriguant. On a atterri sur une île déserte où on doit survivre, donc j'ai commencé à établir mon premier camp. Le problème, c'est que j'ai été repéré. Bon, faut dire que j'ai pas été discret en allumant un feu dès le début, mais j'ai été repéré et c'est assez inquiétant puisqu'il va falloir que je survive. Survive à la tribu hostile. Ma priorité dans cet épisode, c'est la bouffe. Je n'ai plus de bouffe, c'est la cata, c'est la catastrophe. Donc il va falloir que j'aille chasser le rabbit. On va se faire plusieurs choses. On va essayer de se faire un piège pour aller collecter des lapins, pour bouffer les lapins qui restaurent 100% de la barre de points de vie. Et puis on va pourquoi pas essayer aussi de retourner au niveau du crash d'avion, puisque j'ai pas ouvert toutes les valises volontairement, pour me laisser potentiellement un peu de... Putain, il fait nuit encore. Un peu de nourriture. Ouais, je sais qu'il faut que je bouffe. Il faut que je dorme aussi. On va essayer de dormir. Parce que là, il faut qu'il fasse jour. Pas compliqué, il faut qu'il fasse jour, j'ai pas le choix. Pas me permettre. Ok. Oh putain, j'ai été réveillé. Pareil des tribus hostiles. On va pas aller les chercher. Oh non, non, fais comme chez toi, je me casse. Là, 3 contre 1, c'est juste impossible, donc on se casse. On cherche pas la confrontation. C'est pas grave, il fait nuit, mais de toute façon, perdu pour perdu. C'est pas bien grave. Il faut vraiment que je trouve de la bouffe, vous le voyez. Donc la bouffe de nuit comme ça, avec les lapins, j'ai peu d'espoir. Putain, il me suit. Il me tape. Tape-le! 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 Je l'ai eu. Ok, je l'ai eu. Voilà, je l'ai eu, je l'ai décomposé. Donc avec ça, on peut faire des totems. Voilà, je l'ai décapité. Ok, super. Et ces totems qui vont nous permettre de faire fuir nos adversaires. Ouais, ils sont là-bas, je peux pas y aller. Je peux pas y aller, c'est trop dangereux. Ah putain, il court vers moi. Il court vers moi, le furet. Ok. Faut que je trouve de la bouffe, faut que j'aille vers l'avion. Il n'y a que vers l'avion où je pourrais trouver de la bouffe aussi facilement. À moins de voir un lapin, le problème c'est qu'il fait extrêmement sombre. Je vois vraiment pas grand chose, je me retourne. J'ai pas l'impression d'avoir été suivi. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Mais je me méfie quand même. Moi j'ai pas eu le choix, je peux pas dormir chez moi, c'est pas du tout safe. On va ramasser quelques tiges au passage. Parce qu'on a toujours besoin de tiges. Ok, l'avion est là. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Ok, des petits sticks. Ok, super. Donc l'avion est là. Donc la bonne nouvelle c'est que... Attendez, je vois des gens au fond. Non, c'est bon. C'est qu'il faut que je trouve... Voilà, ça. Exactement. Donc des caisses. Allez, ouvre. Voilà, à l'intérieur, si je peux trouver des... Putain, j'ai trouvé une balle. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta balle, quoi. Va chercher la balle. Ok, on prend les pansements. On prend les tiges. Donc il faut que je trouve des barres chocolatées. J'ai pas le choix. Là, il y en a plein ici. C'est parfait. Allez, ouvre. Putain, encore une balle, quoi. Sérieux, mec. Je m'en fiche de ta balle, quoi. Et là-dedans... Putain, encore des balles, quoi. Allez, dégage. Lancez de balle. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Peut-être trouver des lapins aussi. Là, il y a un lapin. Il me le faut. Reste là, saleté de lapin. Allez. Je peux pas le louper celui-là. Il me le faut. Je l'ai eu. On retourne tout de suite à l'avion. Puisque là, j'ai pas été discret. J'ai peur d'avoir été suivi. Ok. Et là j'ai pas le choix. J'espère qu'il y a personne. On se fait un feu de camp. On se fait un feu de camp tout de suite. Ici. Ok, on l'allume. Et on y place le rabbit. Voilà. Ok, super. C'est. Bon, alors évidemment, c'est pas discret. Mais là j'ai pas le choix. On voit que ma barre de faim est à zéro. On peut mourir, on meurt de la faim évidemment. C'est comme dans la vraie vie. Donc le rabbit, il est en train de cuire. Et dès qu'il sera cuit, je vais le bouffer. Ça va me permettre d'être plutôt safe. Il y a encore un lapin là-bas.
Putain, sérieux, si je peux récupérer encore un lapin, ce serait énorme. Alors, il faut que je surveille la bouffe, puisque la bouffe peut cramer. Et évidemment, quand elle est cramée, on peut plus la bouffer. Oh putain, il se met devant moi. Le lapin s'est foutu devant moi. Le mec, c'est genre, bouffe-moi, fais-toi plaisir, j'en ai marre de la vie. Ça y est, je peux manger. Voilà. Et voilà, parfait. Nickel. Mais alors là, nickel de chez nickel. Donc, on garde le rabbit ici. Je sais pas combien de rabbits on peut stocker. C'est ça la question. Donc là j'en ai un. Est-ce que je peux en prendre deux? Je peux pas en prendre deux. Je peux pas en prendre deux. En tout cas je note que ici à l'avion il y a du rabbit. Et ça c'est plutôt pas mal. Alors pendant qu'on est là on va en profiter pour essayer d'ouvrir les valises. Et potentiellement trouver des barres de chocolat. Ouais, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je me méfie. Méfie qu'il n'y ait personne. Il y a quelqu'un sur la gauche. Il y a quelqu'un sur la gauche, regardez ça, tout au fond, là-bas. Il est là. Il y a quelqu'un. Ils arrivent. Je peux pas rester ici, c'est pas safe. Ok, il arrive. Et merde. Je suis pas là. Tu m'as pas vu, je suis pas là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Oh putain, c'est un oiseau. Il m'a fait peur. Oh, oh l'oiseau de merde. Il m'a trop fait peur, ce con, putain. Il est là, il est en face. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Je me casse, tu m'as pas vu, A gauche, il y a des gens. Ok, on les a vus par contre. On s'emmerde pas, on se casse. On se casse. Là-bas, il y a notre feu de camp, le jour est en train de se lever. J'espère qu'il m'a pas vu. J'espère juste qu'il m'a pas vu, c'est tout ce que je suis en train de demander. Je suis pas suivi. Il faut que je fasse un totem, un épouvantail en fait, pour effrayer les gens. Donc ici on va prendre quelques tiges. Je vais en profiter pendant que je suis là. Toujours prendre des tiges. Ok, allez. On arrête de faire le malin un peu là. On trace. Et on retourne tranquillement à notre camp pour essayer d'améliorer la sécurité de celui-ci. Est-ce que j'ai été coursé ? Y'a personne. Y'a personne, on est safe. Dans mon camp, y'a personne aussi. Bon, quand ça se passe comme ça, c'est bien. Puis j'ai un rabbit sur moi, donc je peux refoutre la barre de faim à 100%. On est bien, là. On est bien. On va prendre le temps de bien avancer. Ok, il faut que je fasse les palissades, etc. C'est super. Ok, ici, c'est safe. Donc, le feu de camp. Enfin, le feu ici. Tac, ok, super. Et là, on va essayer de faire un truc pour effrayer. Donc, elle. Ça. Le truc pour effrayer, c'est... C'est pas ici, c'est ici. Non, c'est où? Ah putain, j'ai un piège à faire. Oh oui, j'ai un piège à faire. Il est où le truc pour effrayer, s'il vous plaît, messieurs, dames? Voilà, effigie, c'est là. Normalement, je peux le placer, ça, puisque j'ai... Oh putain, ils sont là, ils arrivent. Ils arrivent, eux. Une tête. Il me faut une tête. Il me faut une tête et deux caillasses. Non, la tête, je l'ai posée, je crois. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas posée. Si, je l'ai posée, la tête. Il me faut deux caillasses. Deux caillasses. Juste deux petits cailloux. En voilà un. Et là, c'est un caillou, quoi. Oui, c'est un caillou. Ah, il me manque la tête. Je suis à peu près sûr d'avoir tué dans l'épisode précédent. Je suis à peu près sûr d'avoir tué quelqu'un dans l'épisode précédent. Et d'avoir une tête qui se promène quelque part. Ça m'embête terriblement. Vous les avez vus? Vous les avez vus? Bon, ils ont l'air d'être partis. Je me méfie quand même. Je suis à peu près sûr d'en avoir tué un. Je sais pas où elle est la tête par contre. Oh mon dieu. C'est flippant. C'est vraiment flippant. Est-ce qu'elle serait pas par là, la tête? Il est où le cucu? Elle est où la tête? C'est quoi ça? C'est une tête? Non, c'est une caillasse.
C'est une caillasse. C'est une caillasse. Je suis sûr d'avoir dégommé un Zoulou, quoi. Excusez-moi, je peux pas regarder en même temps le bas et le haut. Ok, ça a l'air safe, donc on continue d'explorer. Elle est où, la tête? Non mais dans chaque cadavre, il y a une tête, on est d'accord. D'ailleurs, moi, si je vous découpe, vous allez me donner votre tête. Donc il n'y a pas de raison que j'ai pas trouvé la tête quand j'ai découpé le cadavre. C'est dommage, hein, parce que j'étais pas loin de pouvoir fabriquer ce foutu totem. Mais le problème, c'est que je retrouve pas cette tête. C'est quoi, c'est une tête, ça? Non, c'est une caillasse. Ouais, c'est une caillasse. Ok, c'est une caillasse. Pas de tête, pas de tête. Je suis deg. Là, pour le coup, je suis deg. Non, c'est que des caillasses. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Allez, on va continuer. On va apporter des rondins de bois. Ouais, ok. C'est difficile d'arriver à regarder ce qui se passe en bas. Et en même temps, le... Oh putain, regardez ça, il y a de la bouffe. Super, faut que je fasse des pièges. Il y a de la bouffe. Il y a des gros lézards. Et là, les lézards, c'est très très bon. Là, je suis assez content pour la bouffe. Je suis assez content. Alors, on va ramener ça. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Les palissades, les totems, il y a du taf. Là, vraiment, il y a du taf. Donc, dégage. J'ai. Ok. Et on va continuer d'avancer. Donc, c'est parfait. J'ai plein de trucs à faire. On y va. Donc, les palissades. Les palissades qui se trouvent ici. Donc, évidemment, on en met une là. On va essayer de rotationner. Voilà, on recule un peu pour faire ça bien. Tac. Ok. Ici, on va laisser l'entrée et on refait une palissade. Donc, R, on rotationne. Et là, on le met... L'entrée est ici, on le met ici. Voilà, donc on a notre entrée ici. Ok. Le bout de bois, j'en avais un bout de bois. Bon, de toute façon, on verra ça après. Et on va faire exactement pareil ici. Oui, non, c'est pas ça que je voulais faire, dégage. Donc la touche L ne fonctionne pas. Comme c'est un clavier QWERTY, c'est pas les mêmes trucs. Voilà, et ici, là, on est bien. On va tout poser, puis après on ira couper. Très bien. Excusez-moi, c'est pas très passionnant, mais là, pour des raisons de sécurité, je suis obligé de le faire. Donc ici, on va laisser une porte. Donc on laisse la porte ici. Ok. Et donc, on va le prendre à partir de là. Donc, voilà. Et le dernier, normalement, si je dis pas de bêtises, que l'on bascule un peu ici. Ouais. Et la porte. La porte est ici, elle est peut-être un poil grande, mais bon, pourquoi pas. Ok, on verra bien. Donc j'ai tout ça à construire. On va poser aussi un autre totem, mais un plus gros cette fois-ci. Ici, voilà. Donc ça, c'est le gros. Donc, ça, c'est le très très gros. Si je le place ici, paf, voilà. Et si j'arrive à le construire, si j'arrive à le construire, ça va. C'est un épouvantail en fait. C'est un épouvantail et je suis tranquille par rapport aux Zoulous. Ils vont pas oser rentrer à l'intérieur. Alors attendez, parce qu'ici, voilà. Le rondin, il est là. Et on a pas mal de boulot à faire. Hop, voilà, ok. Donc le feu de camp, il est là. Il va falloir que je fasse cuire ma bouffe. J'aurais dû anticiper le truc. Le feu de camp est mort. Est-ce que je peux le rallumer? Ouais, c'est bon. Et là, on pose le rabbit. Ok, super. Donc on va attendre que la bouffe soit bonne. Il faut que je boive. Voilà. On boit. On va bouffer. On va aller... Putain, il faut que je chasse aussi. Mais ça, ça me fait pas de peur puisque j'ai déjà vu les rabbits et les lézards. On va juste attendre que la bouffe soit prête. Et puis on y va. Ça cuit ou pas? Putain, ça cuit pas ce truc. Allez, fous-moi le feu. Ah si, ça y est, ok. Voilà, ça y est, j'ai bouffé. On est à 100%, on peut y retourner. Bon, j'ai utilisé mon rabbit. Mais c'est l'objectif. Ça va être tous les jours comme ça, de toute façon. C'est épisode chasse et pêche, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, donc ça, il faut que je récupère les feuilles, on est d'accord, ok.
Est-ce que je peux voir des lézards, des trucs comme ça, sans trop leur faire peur? Donc je pose des pièges aussi. Il y avait des lézards tout à l'heure, je rêve pas, hein. J'ai pas rêvé, il y avait des lézards, quoi. Ça aurait été très sympathique de pouvoir retrouver des lézards. Putain, là! Allez, bute-le! Voilà, super! Ok. Donc là, on a de l'armure et on a de la bouffe. Donc armure. Voilà. Et ça, c'est pour bouffer. Ok, super. Donc les lézards, effectivement, qui donnent de l'armure. On voit la petite barre jaune qui a apparu en bas à gauche. En bas à droite, pardon. C'est bien, on a pas mal de bouffe ici. On a encore du lézard là. Bon, je vais pas le buter parce... Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ils sont là. Les Zoulous sont là. Faut que je fasse des pièges. Ok, baston. Fight. 3 contre 1, je suis dans la merde. Autant vous le dire tout de suite. 3 contre 1, ça sent le sapin. Ok. Est-ce qu'ils vont venir? Ils s'arrêtent. Je suis pas là. Ils s'arrêtent pas, ils avancent finalement. Merde. Ils se sont arrêtés. Ils font demi-tour. Ils vont pas capter. Ouf! Oh. Ça s'est tellement joué à rien. C'était chaud là. C'est chaud parce qu'à 3 contre 1, autant vous dire tout de suite que... Pff, je peux rentrer chez moi. Bon. 1-1-1-1-1. La bouffe c'est bon, la soif tout ça c'est plutôt pas mal. On va essayer de récupérer un peu ça. Gather rock, donc il me faut une pierre. Bon, les pierres c'est facile à avoir. Ça c'est pour le totem ici, que l'on va poser tout de suite. Voilà. Donc il me faut des bras, des jambes, des têtes, des pieds, etc. Donc ça, ben ça. Vous l'avez vu. Ok, il s'est barré. Ça se fera au fil du temps. Ce qu'il me faut surtout, c'est les palissades en fait. Les palissades. Donc la bouffe, ouais, c'est bon, j'en ai. La soif, c'est bon. Bon, c'est plutôt bien géré hein, pour l'instant. J'attends juste 2-3 petites secondes, je vérifie. Ok, il y a l'air d'avoir personne. On va aller se rapprocher tout doucement. Couper un peu de bois. Le problème c'est que c'est un lieu de passage là-bas, quoi. Alors autant dans le camp je suis relativement tranquille, on voit qu'ils n'y vont pas. Autant en face... Bah c'est pas joli, quoi. Autant en face c'est pas joli. Si j'avais pu trouver cette foutue tête... Personne. Ils sont partis. Ils ont l'air d'être partis. Bon, automatiquement il faut que je m'en rapproche, mais... Ça a l'air safe. On est d'accord. On est d'accord, ça a l'air safe. Ils font toute une ronde autour de l'île. Allez, on y va. Je pense qu'ils sont partis. Je suis tranquille, je peux y aller. On coupe un peu d'arbres, on se fait les palissades. Et ce sera pas mal. On continue d'avancer comme ça. La barre de faim est gérée, la santé aussi. J'ai des médocs si besoin. Voilà, ça coupe. Et ça devrait le faire d'ici quelques secondes. Tourner un peu. Allez, allez, allez. Voilà, c'est bon. Ça tombe. Tu tombes, petit arbre? Ouais, tu tombes. Voilà, en plus c'est bien, t'es bien stocké ici. En voilà 1, en voilà 2. Ok. Rondin de bois, il a fait un fly là-bas, c'est un truc de malade, quoi. On y va. On y va, je tape un sprint. Moi j'ai 2 rondins de bois sur la gueule. Je suis super guerrier Sangoku Saiyans 3. Je peux porter 2 rondins de bois comme dans la vraie vie, bien sûr, tout en tapant un sprint à la Usain Bolt. Normal, de base, c'est logique. Donc ici, tac, 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 il m'en manque 4. On continue. C'est pas évident de sprinter avec le clavier QWERTY, puisque c'est totalement à l'opposé, la touche. Mais ça va. Ce qu'il faut, c'est prendre la direction et sprinter. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise derrière. Non, c'est bon, ça a l'air safe. Donc ici, rondin de bois... En voilà un. Y'a personne. Hello. Y'a personne, ok, nickel. Et on sprint. Bon, c'est relativement rapide, hein. On voit. Il m'en faut 39 au total, hein, quand même, ceci dit. Alors, je vais vous découper ça en plusieurs épisodes, évidemment. Parce que sinon, on va se faire chier. Je vais rester poli, on va s'ennuyer. Mais dans tous les cas, il va me les falloir, les 39.
Alors, on va finir sur lui-là. Juste un dernier petit arbre. Tac, tac. Les arbres qui sont relativement proches, hein, ça va, j'ai pas une forêt très 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 loin, je pourrais avoir à traverser 200 km pour avoir un arbre. Là j'ai une forêt en face de moi à ma disposition, et ça devrait le faire. C'est quoi ça? C'est un caillou? On est content, caillou, qu'est-ce que j'en fous de ton caillou? C'est bon, y'a personne. J'ai toujours la crainte hein, de se retrouver nez à nez avec... avec trois zoulous et de pas faire le poids tout simplement. Allez, on coupe, on fait le tour un peu de l'arbre, ça me permet d'avoir un angle de vue différent en plus, pour assurer mes arrières. Et il ne reste plus qu'à couper ici, on n'en parle plus. Allez, coupe! Voilà, super! Allez, allez, voilà, donc pendant que l'arbre tombe, on va éviter de se le prendre sur la gueule quand même, hein, ce serait sympa. On reprend quelques brindilles, on a toujours besoin de brindilles, voilà, les brindilles c'est bon, c'est pris, tout ça c'est bon. Donc les arbres, en v'là 1, en v'là 2, et on sprint, et ce sera pas mal pour cet épisode-là. Oh putain, la bouffe, quoi. Est-ce que je prends le temps de... faire un peu de bouffe dans cet épisode pendant qu'il fait jour? Ce serait pas forcément une mauvaise idée. Ok, ça c'est bon. Et là, on peut en faire un autre. Voilà, ok. Donc, la bouffe. Ouais. Il fait jour, on va en profiter. Ouais, je vais arrêter là et je vous retrouve. Je vais faire ça. Je vais arrêter là, parce qu'on a le format 20 minutes qui me plaît. On se retrouve d'ici 4-5 jours environ pour la suite de cette aventure. On va continuer de faire fortifier notre camp. Dans le prochain épisode, on verra les pièges. Il faut que je fasse des pièges pour me défendre. C'est un moyen de défense assez important, le piège. Parce qu'il marche autant pour les animaux que pour les zoulous. Et ça peut être sympa à faire. Allez, je vous retrouve très rapidement pour la suite de cette aventure. A très bientôt. Salut, bye bye.